Voilà, bonsoir. Mon nom est Eric Fleury, je suis président de Swiss Marketing Club de Lausanne et je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette soirée. Bienvenue à notre table ronde sur le sujet du crowdfunding qui est donc le moyen de récolter des fonds pour financer un projet auprès d'un large public. Et le lien avec le marketing nous semblait évident, donc c'est pour ça qu'on a organisé cette table ronde, ce débat. Sur lequel on reviendra tout à l'heure. En fait, je laisserai M. Ossiello, qui est l'animateur du débat, faire une introduction un peu plus détaillée sur le sujet et présenter également les différents participants. D'ailleurs, un n'est pas encore arrivé, comme je l'ai dit avant, mais on a décidé de commencer, ça le fera venir. Et il faudra donc que les participants s'installent devant dès que j'en ai fini avec ma petite introduction. Voilà. Quelques informations sur la vie du Swiss Marketing Club de Lausanne, qui a connu une nouvelle année 2013 de croissance, puisque nous sommes actuellement arrivés à 166 membres, et que ce chiffre est nous fait le club le plus important de Suisse. Donc on est même devant le club de Zurich, évidemment qu'on est très fiers de ceci. L'année 2013 a été une année à nouveau très chargée au niveau du programme. On a eu jusqu'à présent 10 conférences et également 3 ateliers de formation personnelle. Et il y a encore une conférence au programme à part ce soir, qui a lieu donc le mercredi 27 novembre au Novotel, qui est organisé en fait par le Club Swiss Marketing Club du Léman, mais auquel les membres de Lausanne ont aussi accès gratuitement depuis cette année. Et qui aura comme sujet transformer les clics en clients, donc également un sujet très intéressant. Pour l'année prochaine, d'abord un événement très important qui sera l'Assemblée Générale. Très important comme toutes les Assemblées Générales évidemment, mais particulièrement cette année puisque c'est lors de cette Assemblée Générale que nous proposerons, le comité proposera à ses membres d'accepter la fusion avec le club de Léman, SMC Léman. Vous savez que nous collaborons étroitement avec eux depuis une année, que tous les événements sont soit organisés en commun, soit ouverts aux deux membres, aux membres des deux clubs. Et la dynamique qui s'est créée entre les deux comités nous a poussé à continuer ce rapprochement et à proposer une fusion aux membres lors de l'Assemblée Générale de février, qui aura lieu en principe le 20 février. Donc si vous êtes membre, vous pouvez déjà noter cette date. Elle sera encore confirmée, mais c'est très certainement le 20 février. Et évidemment que ce sera très important qu'un nombre important de membres soit présent pour appuyer, je l'espère, cette décision importante pour notre club. Et puis ensuite, c'est une année très importante puisqu'elle marque le 50e anniversaire de la présence de Swiss Marketing à Lausanne. Et nous concoctons déjà le programme de l'année prochaine, d'une part avec des conférences qui, je l'espère, seront attrayantes. Pour le premier semestre, nous avons déjà prévu une conférence sur Pernod Ricard, sur IWC, sur la compagnie aérienne suisse, qui, vous l'avez probablement lu, est de retour en Suisse romande, avec une filiale, sur la société Telsa, qui sont les voitures électriques qui ont beaucoup de succès actuellement. Donc un programme déjà alléchant, et en plus de ça, une grande soirée de gala pour marquer le 50e anniversaire de la présence de Swiss Marketing Club à Lausanne, avec des invités prestigieux et un grand repas de gala qui suivra. Donc un programme également très, très alléchant et pour lequel je vous recommande de nous rejoindre si vous n'êtes pas encore membre du club et pour pouvoir profiter de toutes ces soirées et tous ces événements gratuitement. J'aimerais également remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent et sans lesquels ces soirées, ces conférences ne seraient pas possibles. À commencer par la société Brive, qui est présente dans la salle et qui filme en fait nos événements et qui crée aussi les petits teasers que vous avez peut-être pu voir en lien avec l'invitation. Et grâce à cette société, notre présence sur le site, sur le online, est très importante. Et vous pourrez également revoir la conférence de ce soir. D'ici quelques jours, elle sera online sur notre site internet. Et cette société permet donc d'augmenter sa présence online.
Merci également à la société Saphir, qui est une société de coaching avec laquelle nous avons donc organisé 3 ateliers cette année et qui vous permet de vous développer personnellement. Cette société offre pour nos membres un rabais de 50% sur les tests MBTI, qui sont des tests de personnalité qui vous permettent de vous orienter dans votre carrière professionnelle. Ce test a été réalisé par un des membres de notre comité, Patrick Laurent, que vous avez tous vu à l'accueil, qui est d'ailleurs encore à l'accueil en train d'attendre les derniers arrivants, et qui se tiendra à votre disposition si vous avez des questions. Donc c'est quelqu'un qui a vécu ce test, et surtout aussi, non seulement le test, mais le coaching qui va avec, qui est un débriefing suite au test avec un coach spécialisé dans ce domaine. Donc les membres du club ont droit à ce test pour 250 francs. Il y a un stand dans la salle à côté de l'apéritif, donc vous pourrez avoir plus d'informations sur le stand. Merci également à notre fidèle sponsor La Belle Écriture, qui propose des stylos, soit pour vos employés, soit pour vos clients, et qui nous soutient également en faisant des petits cadeaux à nos différents intervenants. Vous voyez que là aussi, il y a une offre de 10% de rabais pour les commandes avant la fin de l'année. Et enfin, merci au magazine Market qui nous soutient également, parfois avec des intervenants, parfois également ou même toujours avec de la présence pour informer de nos événements, différents événements. Là aussi, il y a un stand à côté, vous voyez qu'il y a une offre découverte, mais je viens d'apprendre qu'il y a même une offre de Noël. Alors je ne connais pas les détails, mais il y a un stand à côté, donc vous pourrez vous informer directement sur le stand. Voilà, j'en ai fini. Donc j'aimerais remercier particulièrement, en fait, pour l'organisation de cette soirée, Eugène Schoen. Voilà, merci beaucoup Eugène, qui a convié tous les invités, organisé de main de maître cette soirée, donc un grand merci à lui. Et je cède la parole à Dino et à nos différents invités, que je vous remercie d'accueillir sous vos applaudissements. Alors bonsoir à tous, merci de votre présence pour cette table ronde donc sur le financement participatif, crowdfunding en anglais. Alors juste peut-être pour commencer, quelques chiffres, puisqu'on aime bien les chiffres, pour parler de ce phénomène donc de financement participatif. Donc on a beaucoup entendu parler de Kickstarter, de Indiegogo, donc tous ces grands sites justement de crowdfunding. Donc pour Kickstarter, depuis sa création en 2009, c'est 100 000 projets qui ont été hébergés et 43% d'entre eux qui ont atteint leur objectif de financement. Donc un peu pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène. Et puis le crowdfunding aujourd'hui dans le monde, c'est 6 milliards de volume en 2013 qui est estimé. Et en Suisse, on est à 8 millions. Donc, si on y pense, ça fait 1 franc par personne. Donc, le phénomène est encore bien petit. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire devant lui. Donc, ici, avec nos intervenants, nous allons écouter leur expérience. Ils vont nous faire partager un petit peu ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu avec le crowdfunding. Donc, vous pourrez ensuite leur poser toutes vos questions. Donc on va commencer avec monsieur Philippe Steinberger de C-Crowd. Donc si peut-être vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste C-Crowd. Oui. Allô, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour m'avoir invité dans cette très intéressante soirée. J'espère que mon français tiendra le coup si jamais je vais... dire quelques mots en anglais, puis vous pouvez traduire. Je m'appelle Philippe Steinberger, je suis le cofondateur de ccrowd.com. On est une crowdfunding plateforme de Zurich. On a commencé il y a un peu plus de 2 ans comme plateforme supportant tous les projets qui ont besoin d'argent. Ça veut dire des projets caritatifs, artistiques, commerciaux et des startups. On a changé notre stratégie en septembre de cette année et nous concentrons uniquement sur l'introduction entre des investisseurs et des entrepreneurs. Et on fait ça avec 2 différents produits. Le premier, c'est du crowdfunding pour les sociétés anonymes suisses.
Et le deuxième produit, c'est un marché où il y a les différents entrepreneurs, ils ont besoin, ils ont la possibilité de se présenter à des potentiels investisseurs. Jusqu'à maintenant, on a eu des engagements d'investissement, je dirais, d'un peu plus d'un million de francs suisses, et dont 660 000 ont été investis. Et j'espère que ça sera bientôt plus. À côté de vous, Monsieur André de la Fontaine de GoBeyond. Donc, vous êtes CEO de GoBeyond. Oui, bonsoir. Donc, André de la Fontaine, CEO de GoBeyond. Nous sommes un réseau de 170 investisseurs, donc encore plus de membres que de Swiss Marketing, hein, mais bravo. Nous avons investi jusqu'ici 7,5 millions de francs suisses depuis 6 ans et demi environ. Cette année, nous avons investi déjà 2,2 millions depuis le début de l'année, ça continue. 44 tours de table dans 24 sociétés différentes, avec des montants entre 50 000 et passer 1 million de francs suisses par tour de table. Notre but est de créer la possibilité à des investisseurs de taille moyenne, en investissant 5, 10, 20, 30 000 francs, de créer un portfolio d'investissement dans des startups qui historiquement étaient inaccessibles pour des personnes avec ce genre de moyens. Donc je vais en parler un peu plus au cours de la soirée. Voilà, merci. Et à votre gauche, Arnie Kapschitzer, donc du côté plutôt startup avec Yetis. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour votre intérêt pour Yetis. Alors, Yetis, c'est une start-up qui est dans le domaine de la haute horlogerie quand même, puisqu'on a un mouvement automatique dans une smartwatch. Et actuellement, nous nous définissons comme étant la seule smartwatch fabriquée en Suisse et qui se propose de livrer ses premières pièces dans quelques semaines, dans la seconde partie du mois de décembre. Ah bah super. Et enfin, on a Alexis Dufresne, donc CEO de Faveo. Oui, alors bonsoir, Alexis Dufresne, Faveo. Alors Faveo, c'est une société, donc ce qu'on fait, c'est de la veille stratégique pour entreprises. Donc on fait du monitoring web et réseaux sociaux, permettre aux entreprises en fait de faire de la veille compétitive, de la veille stratégique, et puis de vraiment être capable de supporter en fait les flux d'informations qui sont incessants aujourd'hui. Voilà, je vais parler ce soir de notre tentative dans le monde du crowdfunding et puis des choses qu'on en a tirées. Voilà, donc pour la petite histoire, je viens du Québec, comme vous l'entendez, et puis je suis ici depuis à peu près 10 ans, et puis non, j'ai toujours pas perdu mon accent. Merci beaucoup, Alexis. Alors moi, pour commencer, pour faire le lien justement avec le marketing, je voulais commencer avec un produit horloger, donc vraiment où le marketing a une grande importance. Donc Yetis, donc là vous l'avez dit juste avant, c'est 250 précommandes déjà, hein, c'est bien ça ? En fait, je pense qu'il reste un peu plus de 100 montres à vendre actuellement. Voilà. On a eu un grand succès, c'est vrai. Ouais. Disons qu'on n'est pas parti avec une idée de crowdfunding. On est parti tout simplement avec une idée de faire un produit qu'on a proposé à des marques horlogères. Il se trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses positives. Pour ainsi dire, il n'y en a pas eu du tout. Et comme nous, on était persuadés qu'il y avait un marché pour ça, on a décidé de se lancer seul. Donc il y a un an de développement qui a été pris en charge par nous, par l'équipe, par tout le monde. On a développé ce produit et quand ce produit est arrivé suffisamment à maturité, on a pris le risque d'aller de le proposer au public. C'est là où la notion du crowdfunding, moi, me dérange un tout petit peu. Historiquement, pour les horlogers, le crowdfunding n'est pas du tout une nouveauté. Il y a beaucoup d'horlogers qui se sont financés ou qui ont pu lancer des produits avec ce qu'on appelle des souscriptions. Ça existe depuis près de 300 ans dans ce domaine-là. Donc le crowdfunding est un très joli mot, c'est très marketing, c'est très tendance, mais pour nous, ce n'est pas nécessairement une nouveauté. Par contre, aujourd'hui, ça devient une nécessité, parce que vu qu'il y a beaucoup de résistance à l'innovation, surtout dans le domaine horloger, la prise de risque n'étant pas de culture suisse, on peut le dire, il y a une importance de la réaction du public face à un produit. Et donc si on parle de marketing, c'est vrai qu'on pourrait parler du marketing mix que représente ce produit et tout son environnement, c'est-à-dire qu'on l'a pensé pour des gens.
Et donc, on s'adresse directement aux clients et on leur dit, écoutez, venez avec nous, embarquez-vous avec nous. Vous allez être livré, on va vous récompenser parce que, évidemment, la montre n'est pas au même prix que le prix de détail habituel. C'est un prix de 1 200 $, elle sera à 1 600 $ quand elle sera lancée. Vous pouvez les précommander directement sur Internet. Évidemment, vous avez droit à des goodies, vous avez droit à des news, et on essaie de suivre le client le plus près possible. Là où cette démarche a une puissance extraordinaire, c'est que vous pouvez faire tous les plans marketing que vous voulez, mettre en place toutes les stratégies que vous voulez. Dans le cas présent, vous avez un face-off avec votre client, et votre client il vous dit « je veux ou je veux pas ». Et la réponse est immédiate. Et si ce produit aujourd'hui existe, se développe, qu'il y a une suite qu'on est en train de développer, on est en train de développer des modèles pour l'année prochaine, c'est pour une raison toute simple, c'est que le client il a dit oui. C'est-à-dire même si l'establishment dit non, on n'est pas d'accord, il n'y aura pas de financement, on ne va pas vous acheter votre produit, on ne va pas le développer, on ne va pas se lancer sur ce marché parce qu'on n'y croit pas, celui qui décide, en fin de compte, c'est le client final. Ça, c'est extrêmement important pour ce genre de produit. Il y a une autre chose qui est une chose clé aujourd'hui. Le crowdfunding, pour moi, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on est sur de l'open financement. À partir du moment où on va commencer à essayer de structurer ces choses-là, on risque de revenir, au bout d'un certain temps, dans une notion de calcul du risque. Et à ce moment-là, les finances vont de nouveau se tarir dans ce domaine-là. Donc il faut faire très très attention, c'est quelque chose qui doit rester une relation entre les marques ou avec les prestataires de services et les clients. Et c'est une chose qui est vraiment importante. Ces clients ne deviennent pas des shareholders. Ces clients sont des clients qui ont été récompensés, qui sont privilégiés de par le produit, de par le service qu'on leur offre. Donc il y a un reward. En plus, on va les garder chez nous parce que ces gens-là deviennent un public test absolument impressionnant. C'est tous nos bêta-testeurs. Ils vont avoir des produits en avant-première. On est en train de préparer toutes sortes de choses autour de ça. On a des relations personnelles avec ces gens-là. Et ça, c'est vraiment une chose qui est d'une importance capitale aussi pour les marques. On connaît enfin nos clients. Parce que c'est vrai que tous les départements marketing vont vous décrire leurs clients cibles. Moi, je peux vous dire, je n'en ai pas. Parce que les clients sont extrêmement divers. Vous avez des gens qui sont très jeunes, et puis vous avez des gens qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus matures. Vous avez des collectionneurs de montres, puis vous avez des gens qui ne sont pas du tout des collectionneurs de montres, mais qui sont des geeks. Donc, à la base, c'est des gens qui sont de cultures complètement opposées. Et là, en fait, vous arrivez et vous avez des informations sur ces clients qui vont vous permettre de développer les produits futurs, qui vont vous permettre d'entretenir une relation à long terme. Le coût de ce genre d'opération est très réduit. Par contre, je pense que c'est le rendement maximum en termes de marketing. Mais est-ce qu'en étant justement à l'écoute de toutes les exigences directement des clients, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'être un peu, de se disperser et d'être un petit peu, se retrouver un peu confus là-dedans, en termes de produits ? Personnellement, la notion d'écoute, c'est pas une notion d'être servile avec le client. Il n'y a pas une question d'obéissance. Être à l'écoute, c'est un dialogue. Et on apprend énormément de nos clients. On a des clients qui nous ont demandé des applications qu'on va intégrer dans la montre, parce qu'on a eu tout d'un coup 150 ou 200 clients qui nous disent « voilà, cette montre, on l'aime parce que ça, 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 et on aimerait cette application dedans ». Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, parce que ça nous guide. Historiquement, j'ai à peu près 20 ans d'activité dans le domaine horloger, et je n'ai pas nécessairement toute la culture que ces clients vont m'apporter dans le sens du produit. Parce que là, on est vraiment dans du consumer goods, même si, comme je vous ai dit, on apporte le côté haute horlogerie, c'est un mouvement automatique qui est dedans, c'est du Swiss made, la boîte on met un maximum de moyens dans une finition qui sera la plus parfaite possible, mais il y a une brèche culturelle quand même. Et cette brèche culturelle, comme on est sur un cross-market, c'est important d'en tenir compte. Et les informations qui nous sont fournies par nos clients sont des informations qui sont essentielles. Il y a leur désir, ils vous décrivent un petit peu même, vous pouvez deviner certains produits futurs qu'ils vont vouloir. Et c'est un panel qui est extrêmement intéressant. C'est un panel qui est même étonnant. Et c'est une mine d'or pour une marque. Je me demande même si les marques existantes ne pourraient pas penser à lancer des produits et à les proposer sous cette forme-là. Parce que c'est un enseignement qui est massif. C'est une idée. On va passer peut-être à un autre produit justement qui a aussi testé le crowdfunding, donc Faveo. Vous avez levé 300 000 euros, si je ne me trompe pas, assez récemment. Comment est-ce que ça s'est fait ?
Oui, alors on a levé les 300 000, mais ce n'était pas dans le, pardon, dans le cadre du crowdfunding, par contre. Hein. Oui. Alors, ben nous, on a essayé de faire cette campagne de crowdfunding au lancement de, enfin, avant le lancement de la société, au tout début en fait du, des essais R&D. Donc on avait un concept, on avait une première mouture, et puis on s'est dit essayons le crowdfunding pour faire valider par la communauté en fait la valeur de notre application dans le bon esprit du lean startup, échouer rapidement, et puis tout ce genre de concept. Donc on s'est dit voilà, on va voir la réponse du public, et puis si c'est extrêmement négatif, ben ça nous donnera le signal qu'il faudra pivoter, changer de type de projet, changer ce qui ne va pas avant de passer un an à développer, parce que plateforme de veille qui surveille le web, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut payer des ingénieurs EPFL, enfin voilà, c'est pas un petit projet web. Et puis du coup, on s'est lancé donc dans cette aventure crowdfunding, et puis ce que ça a donné, on va pas dire que c'est un succès. Ça n'a pas été un succès parce qu'on n'a pas levé l'objectif en fait, de l'argent. On s'était mis 80 000 pour finaliser le projet. Et puis, on a eu peut-être 10% de ce montant-là. Par contre, ça nous a donné en fait une centaine d'ambassadeurs, une centaine de personnes qui ont participé au projet et qui, pour la plupart, venaient d'organisations, des centres de recherche, des universités, des facultés, des départements. Et puis là, on a réalisé, ben voilà, on hésitait, est-ce qu'on va aller vers le B2C, mais est-ce que c'est un peu compliqué, B2C, est-ce que les gens ont vraiment besoin d'une plateforme de veille au-delà d'un lecteur RSS, et puis de suivre ses amis sur Twitter, etc. Et là, en voyant qui mettait de l'argent sur Faveo, ben c'était justement notre marché cible qui avait déjà réussi à nous dénicher parce qu'ils nous ont trouvés. Et en plus, qui nous validait qu'effectivement, juste en voyant les prototypes, et puis un peu la description du concept, ils disaient oui, nous ça nous intéresse. Et puis on a eu des organisations internationales qui ont payé le 300 francs pour devenir membre à vie de Faveo, ce qui n'était peut-être pas le meilleur move commercial, parce que maintenant on essaie de leur facturer des trucs, et puis ils disent non, on l'a à vie et tout. Mais quand même, d'après pouvoir prendre ça et puis de reproduire le segment, de dire oui, il y a un intérêt. Alors ça, c'était de l'or. Donc effectivement, connaître sa clientèle, ça nous a apporté beaucoup par rapport à ça. Sinon, pour votre question, ben, au niveau du financement, après, malgré tout, ben, voilà, il n'y a pas eu de gros buzz en fait, qui s'est généré par rapport à Faveo, parce qu'on n'a pas fait exploser. Le crowdfunding, ça fait rêver. Kickstarter, ils ont levé 1 million, 2 millions, 10 millions. Nous, du coup, ben, on a dû reprendre un peu le travail normal et puis monter une campagne de financement. Mais concrètement, sur le crowdfunding, quels ont été les faux pas que vous avez faits? Alors, j'imagine qu'on les a à peu près tous faits. C'est-à-dire qu'il faut faire attention au timing dans lequel on va lancer la campagne. Donc, nous, on le fait un petit peu trop près de la fin d'année. Donc, vers la fin de la campagne de crowdfunding, on arrivait vers Noël. Alors, on pourrait penser que c'est plutôt bon, parce que si vous faites un objet physique et puis que vous êtes capable de le livrer à temps pour Noël, alors là, il faut profiter là, de l'esprit des fêtes. Nous, par contre, c'est un logiciel. Et puis, de toute façon, la date de livraison était 6 mois plus tard. Donc, en fait, à Noël, les gens ont complètement arrêté de s'intéresser. Donc, ça, c'est une première erreur. Un timing quand même assez fin novembre, début novembre. Sinon, une des choses où on a essayé de faire bien, c'est de vraiment préparer en fait du contenu pour faire vivre la campagne de crowdfunding tout au long des 45 jours où on avait... la durée de la campagne était donc de 45 jours. Et là, en fait, on a commis l'erreur de ne pas préparer l'équivalent de 45 jours de contenu près d'avance, simplement prêt à être publié sur la campagne à tous les jours. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plateforme Indiegogo va vous récompenser si vous êtes actif dans votre campagne de crowdfunding. Donc, si les gens laissent des commentaires, c'est une chose. S'ils achètent, c'est encore autre chose. Mais vous, quand vous faites des mises à jour, comme un blog, des images, tout ça, ça vous fait monter, en fait, dans les listes. Et puis, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut être actif au niveau de la com. Mais on ne peut pas gérer les activités, disons, opérationnelles d'une société et faire vivre un blog avec des contenus à tous les jours, idéalement plusieurs fois par jour, pendant 45 jours, sans avoir préparé ça comme on prépare une vraie campagne de communication, en fait. Donc, nous, on est allé en disant, voilà, on va faire ça, on va faire ça. J'avais des idées de blog, j'avais toute la liste, en fait, des articles à écrire. Après, il faut écrire ça, j'en avais 10-12 d'avance, voilà, je vais mettre des photos, mais on est arrivé à la fin du processus
où là, on a vraiment perdu en fait l'attention dans la plateforme parce qu'on n'avait pas assez de contenu. Je pense qu'avoir eu plus de contenu, on aurait pu rester en fait dans le sommet des listes et puis aller chercher quelques milliers de francs en plus. On a fait une vidéo qui était pas mal, donc c'était une vidéo relativement rigolo, fait qui expliquait bien les concepts de ce qu'on essayait de faire, mais on n'a pas montré nos têtes, on n'a pas fait une vidéo avec l'équipe dans les bureaux, là, ah, Faveo, c'est nous, et puis on y croit, on a essayé de faire un truc un tout petit peu plus lustré, qui allait montrer le concept, puis ça, en fait, c'est une erreur fondamentale, les gens, ils veulent pas vraiment, enfin, ils veulent voir votre concept, mais ils veulent voir qui est derrière l'équipe, donc ça, c'est pour, évidemment pour créer un rapport direct entre l'entreprise et puis le client, on sort, on n'a pas fait non plus. Donc voilà, on a probablement fait toutes les erreurs dans le... Une réaction peut-être du côté des investisseurs, est-ce que ça vous semble, est-ce que c'est aussi des choses que vous observez à ce niveau-là? Oui, alors peut-être pour rebondir un tout petit peu et pour cadrer la discussion, donc en fait, on parle simultanément de deux sortes différentes de crowdfunding, donc dans un cas, des objets qui sont précommandés où on peut avoir un rabais typiquement de 20-30%, par exemple la montre, c'est un excellent exemple, et dans d'autres cas où nous sommes d'ailleurs plus tôt, où l'on peut financer une société, donc en échange de capital de la société, donc nous participons aux bénéfices et aux pertes ou faillites potentielles futures, et en gros une partie du capital est vendue sur des plateformes internet et ou devant des investisseurs physiques comme chez nous, ou plutôt sur Internet comme C-Crowd. Donc peut-être pour bien différencier ces deux choses différentes qui peuvent les deux tomber sous la coupole de crowdfunding, mais qui sont assez différentes. Pour un objet qui peut être précommandé, qui va prendre peut-être 4, 5, 6 mois à fabriquer, évidemment le crowdfunding, ou même une année comme dans votre cas d'investissement personnel, De votre travail, au fait, d'une année de préparation de la montre. Ouais. Donc voilà. Donc là, évidemment, le client final met de l'argent, l'objet est commandé et il reçoit l'objet terminé. Dans notre cas, nous avons financé des sociétés qui peuvent prendre 5 ans, peut-être même plus, pour pouvoir finaliser des objets industriels qui demandent littéralement des millions pour avoir un prototype. Donc là, c'est assez différent. On ne va pas pouvoir financer un projecteur simplement en mettant 300 francs sur la table. Même si beaucoup de personnes mettent 300 francs, il faudra quand même 5 ans pour avoir une nouvelle technologie pour faire un projecteur de 1,5 cm³ pouvant être intégré dans un téléphone, par exemple. Donc pour différencier un petit peu ces deux types de crowdfunding, en échange d'un objet qui va être reçu quelques mois plus tard, et un autre en échange d'actions qui mettront peut-être 5 ans pour que la société elle-même ait pu grandir et soit vendue. Arnie, vous vouliez réagir ça? Oui, oui, en fait, il y a une chose qui est très, très importante. Il faut avoir le produit. Et ne venez pas faire un crowdfunding ou une vente par souscription si la grande partie du R&D n'a pas été faite. Il faut arriver en bout de course. Si vous avez quelques mois devant vous, entre 3 et 6, c'est bon, ça va marcher. Par contre, si votre produit n'est qu'une idée et que vous vendez qu'une idée, ça sera beaucoup plus difficile. Parce que le temps d'attente, et nous on le voit aujourd'hui, on reçoit des mails de gens qui disent « c'est bon, vous allez pouvoir livrer ». Et ça, c'est une chose qui est très très importante, c'est que vous ne pouvez pas livrer un objet qui n'est pas terminé. Donc là, il y a une notion de préparer l'avenue sur le crowdfunding. Et autre chose, il ne faut pas être pressé. Un crowdfunding en 30 jours, c'est un miracle. Mais ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas. L'idéal du timing, honnêtement, c'est 90 jours. Si vous avez 90 jours devant vous, vous allez y arriver. Nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Donc, on est en train de finir de vendre nos pièces et on arrive gentiment au mois de décembre. Et vous allez aussi avoir des variations dans la fréquentation de votre site, de gens qui s'intéressent à vous. Ce n'est pas très grave, il faut se focaliser sur le produit, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Les gens, ils attendent un produit. Pas nécessairement un teaser, il faut le faire de temps en temps parce qu'ils ont besoin de la relation. Mais par contre, le produit, le produit, le produit et le produit. Ensuite, il y a une autre chose, c'est il faut décider si vous voulez que quelqu'un vienne investir dans votre société. Notre business model et la manière dont nous avons réfléchi les choses, c'est en plusieurs étapes. C'est comme une fusée. Maintenant, depuis un mois environ, on ne va pas dire non s'il y a un venture capitaliste qui vient. Par contre, les conditions sont différentes. Parce qu'on tient un peu plus le couteau par le manche et on peut choisir. Par contre, c'est vrai que si vous êtes tout au début et que c'est que l'idée,
bon, on est en Suisse, donc vous risquez de ne pas intéresser beaucoup de monde. Et puis d'un autre côté, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que en fait, c'est plus vraiment vous qui tenez la barre. Et ça, c'est une chose aussi qui est très importante. Parce que le produit, le venture capitaliste n'a pas les mêmes intérêts que quelqu'un qui lance un produit ou qui est en train de fonder une société. C'est des intérêts qui sont souvent divergents. Merci, René. Philippe, peut-être comment est-ce que vous identifiez les véritables opportunités ? Oui, donc, juste pour finir la petite discussion d'avant, je veux dire, la préparation, c'est vraiment tout, comme vous avez dit. Et souvent, les gens, ou bien nous, on rencontre des gens, des entrepreneurs qui pensent que, OK, maintenant, j'ai un projet sur une plateforme crowdfunding et puis je peux m'aller en vacances pendant 3 mois et quand je reviens, le compte bancaire, il est plein. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a beaucoup de travail qui va dans une campagne de crowdfunding. La plateforme, elle supporte, mais à la fin de la journée, si l'entrepreneur il peut pas vendre son idée ou son entreprise, nous, on peut pas le faire pour lui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et je pense qu'en train pour l'identification des projets, on fait beaucoup de travail de PR. Je vais à beaucoup de soirées comme celle-ci, ou je vais à beaucoup des conférences. Et le crowdfunding, c'est quelque chose de très nouveau. C'est en Suisse, je dirais, c'est seulement pendant les 2 ou 3 dernières années qu'on a commencé à lire de ce phénomène. Et comme a été dit au début, en Suisse, le crowdfunding, c'est quelque chose, c'est prendre des risques. Si on préfinance un produit, si je vous donne mon argent, je ne sais pas si dans 6 mois il y a une montre ou pas, ça veut dire que je prends un risque. Ou si on investit dans des actions, il y a encore plus de risques qu'on prend. Et en Suisse, investir avec beaucoup de risques, ce n'est pas tellement la priorité la plus haute qui existe. Donc, il faut faire beaucoup de discussions, il faut faire beaucoup d'informations, qu'est-ce que c'est le crowdfunding. Et dans ces discussions, on reçoit aussi des nouveaux projets. Et il y a beaucoup de les médias qui s'intéressent dessus. Et donc, on a des demandes de projets qui arrivent. Mais pour savoir ce que c'est un bon projet de crowdfunding, je veux dire, je pense au début, c'est vraiment, ça doit pouvoir faire des émotions. Parce que le crowdfunding, c'est vraiment une décision qui se passe plutôt dans l'estomac que dans la tête. Et c'est très important que le crowdfunding, ça met en valeur les émotions des gens, et si ça, c'est pas possible, les gens ne vont pas investir. C'est un point extrêmement important. En réalité, ce qu'on vend, c'est de l'étonnement, de la surprise et du fun. On ne vend pas des problèmes de fiabilité ou autre. On vend une relation et on doit s'amuser ensemble. Le crowdfunding a l'avantage, peut-être pour la Suisse, justement, que le niveau de risque est relativement bas. C'est-à-dire que, à moins que, bien entendu, vous preniez la décision d'investir, je ne sais pas moi, 2 millions ou 3 millions dans un projet, à la base, vous vous limitez à des petites parts. Et c'est là où, je pense, peut-être, s'il y a une opportunité pour la Suisse. Ce n'est pas impossible. Okay. On va s'entendre. Voilà, donc effectivement, ça, je pense, c'est vraiment capital. Les chiffres de l'industrie pour nous, donc dans l'investissement Business Angel, une fois que les investisseurs ont investi, 40% vont faire faillite. Évidemment, on ne sait pas lesquels, on n'investirait pas dans ceci. 40% vont juste rendre l'argent investi et 20% vont créer le retour du portfolio. Donc ça, sont des études sur 8000 sorties aux US, 6000 sorties au UK. Donc vraiment, c'est statistiquement significatif. Maintenant, nous, en même temps, on observe des retours de 10 à 20% par an sur l'argent investi avant frais. D'accord ? 10 à 20% par an dans l'économie d'aujourd'hui, c'est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 40% font faillite à 10 à 20% par an ? C'est vraiment essentiel de diversifier et de créer un certain nombre d'investissements. Sinon, ça ne s'appelle pas un investissement, ça ne s'appelle pas un asset class, ça s'appelle une loterie. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent à la loterie, mais il n'y en a pas beaucoup.
Le retour d'une loterie, c'est 70%. Vous mettez 100 millions, vous avez 70 millions qui vous reviennent. Donc comment est-ce qu'on passe de la loterie à vraiment créer un asset class, donc un moyen de générer de l'argent de manière plus ou moins fiable? C'est en diversifiant son investissement, en investissant dans un certain nombre de sociétés et d'idées. Donc de nouveau, donc nous avons investi dans plus de 40 tours de table. On commence à avoir aussi des statistiques par rapport à ça. Et vraiment, les retours entre 10 et 20% par an. On peut argumenter que ce sont les retours papier parce que les sociétés n'ont pas encore été vendues. Mais néanmoins, on voit vraiment des chiffres intéressants. Mais il faut se diversifier, investir dans un certain nombre de parts d'un certain nombre de sociétés. Et pour ça, il faut effectivement avoir un certain choix devant soi et pas tout risquer sur une société. Ça, je pense, c'est vraiment essentiel. Alexis ? En fait, je voulais juste ajouter un point sur en fait, le risque et puis la perception du risque. Et puis pour maximiser les chances de succès d'une campagne crowdfunding sur des plateformes comme Kickstarter et puis Indiegogo, il faudrait idéalement vous assurer d'avoir déjà sécurisé, puis on en parlait tout à l'heure, 25% des fonds qui auront déjà été promis avant dans votre campagne de préchauffage. Comme ça, quand vous allez lancer la campagne de crowdfunding, tout de suite, ceux qui ont promis les fonds vont l'ajouter. Votre indicateur de succès va augmenter très rapidement. Et là, vous allez créer un aura positif dans votre campagne qui va vous positionner dans l'esprit des gens, dans l'émotion des gens. Va tout de suite vous positionner dans la catégorie des gagnants et non pas des perdants. Et puis le risque avec une campagne de 90 jours, dans mon expérience ou un peu dans ce que j'ai lu aussi, c'est que si ça démarre trop lentement, à un moment donné, peut-être ça démarrera jamais, en tout cas sur les plateformes online. Donc voilà, moi je dirais la durée, pourquoi pas plus longtemps, parce que ça permet de communiquer peut-être d'une manière plus efficace. Mais en tout cas, si vous arrivez à déjà en fait commencer votre vraie campagne de crowdfunding de manière à sécuriser ces fonds-là, les gens, ils veulent faire partie de quelque chose de gagnant. Et s'ils voient que vous avez de la peine à décoller, là, vous êtes déjà psychologiquement dans un truc plus négatif. Une réflexion. Ça, c'est si les gens veulent faire partie de quelque chose de gagnant, ou c'est des gens qui désirent un produit ou un service ou un logiciel. Il y a une notion de désir. Et c'est pour ça que je reviens vraiment à la notion du produit. On peut parler d'argent. Il faut en parler, on est là pour ça, on est là pour en faire. Par contre, avant, on est là pour faire un produit. Et ce produit doit correspondre à une demande. Nous, ce qu'on a fait, c'est une smartwatch. On l'a lancée à quel moment ? On l'a lancée juste avant que Samsung n'annonce la sienne. On l'a annoncée avant que tous les autres ne sortent. Il y avait quoi ? Il y avait Pebble à l'époque, il y avait Kuku. Il y avait 2-3 essais qui avaient été lancés. Pebble, c'est un des grands succès dans ce domaine-là. En 90 jours, ils ont levé 10 millions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est très très important à ce niveau-là, c'est un produit. Et le produit, nous on a choisi une smartwatch, on a mis une caméra, on a décidé de mettre dedans le fin du fin technologique, le fin du fin au niveau horloger suisse. Et ça, c'est une chose qui est importante. Vous devez offrir un objet de qualité qui soit désirable. Et si vous n'offrez pas quelque chose de désirable, vous pouvez faire 90, 120, 1 an en crowdfunding, vous allez simplement vous essouffler. Il faut vraiment, vraiment cibler son produit en termes de qualité de ce qu'il va donner aux gens. On parlait d'émotion tout à l'heure. Il ne faut pas se focaliser sur des chiffres. La plupart des gens qui ont réussi un crowdfunding, ils n'ont pas demandé 10 millions, ils ont demandé 100 000 dollars. Pourquoi ils ont demandé 100 000 dollars ? Parce que 100 000 dollars, ben, on y croit. Mais si je vous demande demain et je vous dis j'ai besoin de 2,5 milliards pour finir ma montre, il y a quelqu'un ici qui va l'acheter ? C'est les chances de succès. Vous demandez 100 000. 100 000, c'est réaliste. Mais après, évidemment, le succès fait que les gens ont envie de ce produit, ils vont se mettre ensemble et ils vont supporter ce produit. Il faut aussi chercher des ambassadeurs et des supporters. Et ça, c'est une chose importante et ça fait partie du succès. Justement, vous parlez du produit. On peut autant avoir des projets artistiques, culturels, que vraiment un produit comme une montre ou bien un programme. Mais ce sont des produits. Ce sont des produits, exactement. Mais est-ce qu'il y a un produit idéal adapté au crowdfunding, justement ? Ce que les gens veulent. Il faut avoir une petite tendance, une notion des tendances. Il faut un petit peu faire attention à ce qui se dit et à qui prépare quoi. Regardez les buzz qui naissent sur Internet si vous cherchez un produit. Nous, ce produit, on le portait depuis un an. On y croyait, on voulait le faire. À vrai dire, mon premier projet de montre qui soit... Elle n'était pas connectée à l'époque, mais elle était hybride, électronique, et il date de 2002. 2001-2002.
Et c'est, aujourd'hui, évidemment, ce produit, cette idée arrive à maturité. Et puis elle arrive à maturité dans une industrie qui, a quelque part, sur certains de ses pans, a tendance à fléchir et à faiblir face à la concurrence. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de produit, justement, ou à des logiciels. Je ne connais pas le logiciel de monsieur. Mais par contre, il faut faire très attention parce que pour nous, c'est des enjeux stratégiques. Comme on trouve peu de financement en Suisse, dans le private equity ou dans les venture capitalistes, dès qu'on parle de capital risque en Suisse, c'est très, très, très délicat. On veut tout de suite des résultats, on veut tout de suite, on a un esprit très bancaire quand même. Alors il faut faire très attention à ça. Et là, il y a une vraie opportunité. Stratégiquement, pour nous, aujourd'hui, en Suisse, ce genre de produit peut préfigurer l'avenir. Il faut vraiment s'y mettre. Merci. André, vous me disiez, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, que c'était vous qui approchiez les entrepreneurs, qu'il faut éviter justement de trop venir vers les investisseurs. Oui, alors ça c'est une très très bonne question. Donc nous, on reçoit passé 1000 applications par année, donc 3 dossiers par jour de financement. Moi, je suis complètement débordé tous les jours des personnes qui veulent que je les finance. Je dirais que quand est-ce que c'est le meilleur moment de chercher du financement? Bon, premièrement, le meilleur moment, c'est jamais. Si vous n'avez pas besoin de financement, évidemment, ne passez pas le temps nécessaire et l'effort nécessaire pour le faire. Des personnes, avant de le faire, souvent s'illusionnent sur la difficulté de lever de l'argent. C'est un vrai travail, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Ça prend énormément de temps, ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Et il faut bien comprendre le coût d'opportunité de cette levée d'argent. C'est-à-dire, pendant tout ce temps que vous passez à essayer de séduire des investisseurs, vous ne passez pas ce temps-là à essayer de séduire vos propres clients. Et ça, c'est d'une importance capitale. Je pense qu'une partie des startups aujourd'hui n'auraient pas besoin de financement si elles investissaient le même effort que ce qu'elles font auprès des investisseurs, auprès de leurs propres clients. Et ça, c'est vraiment capital et c'est un message que j'aimerais faire passer auprès de n'importe quelle start-up qui vient nous voir. Donc là, le premier point, c'est quand est-ce le meilleur moment de lever de l'argent? C'est jamais. Si vous n'avez pas besoin, venez surtout pas voir les investisseurs. Le deuxième point, quand est-ce que c'est le deuxième meilleur moment de lever de l'argent? C'est quand vous avez fait tout ce que vous avez pu par vous-même. Il faut bien voir que les business angels mettent leur propre argent. Les 7,5 millions de francs suisses que nous avons mis dans les start-up, ce sont nos propres économies. Donc, on ne va pas vraiment lâcher ça comme si c'était l'argent de quelqu'un d'autre que je devrais gérer. Donc, nous allons voir qu'est-ce que vous avez pu faire vous-même. Je vais donner deux exemples extrêmes et vous comprendrez que la plupart des startups sont quelque part entre les deux. J'ai un entrepreneur qui est venu me voir avec un site internet pour organiser des mariages. Il avait l'idée, il n'avait pas fait grand-chose et il venait chercher de l'argent. Clairement, cette personne-là peut travailler à mi-temps avec ses copains le soir dans un garage et avoir un site qui non seulement fonctionne, il peut même avoir des revenus et probablement même des bénéfices. Donc les investisseurs ne vont jamais le financer avant même qu'il ait des revenus et probablement même des bénéfices. Pourquoi ? Parce qu'il peut le faire. Et s'il n'est pas assez motivé pour le faire sur son propre temps, probablement qu'il ne sera pas beaucoup plus motivé pour le faire une fois qu'il a donné de l'argent. On ne finance pas des vacances, on finance des développements qui, espérons-le, pourront retourner l'argent avec un surplus. Après, si je prends un autre exemple de nouveau, c'est Microprojecteur, il a littéralement fallu investir des millions et des dizaines d'années hommes avant d'avoir ne serait-ce qu'un prototype. Même le meilleur inventeur du monde ne peut pas créer un microprojecteur de 1,5 cm3 le soir dans son garage. C'est juste pas possible. Il a besoin d'avoir accès à des laboratoires hyper sophistiqués de l'EPFL pendant des années. Il a fait un doctorat là-dedans, etc. Donc si je donne un peu ces deux extrêmes, dans un cas, on ne va pas financer quelqu'un qui n'a pas déjà des revenus et même des profits. Dans un autre cas, on va être d'accord de financer quelqu'un pour même faire un prototype. Pourquoi ? Parce que la personne, dans un cas, aurait pu aller beaucoup plus loin, dans l'autre, même avec la meilleure volonté du monde, ne peut pas aller plus loin. Donc c'est important de définir à quel moment vous allez chercher de l'argent, parce que ça prend beaucoup de temps, ça coûte aussi de l'argent d'aller lever de l'argent. Et surtout, c'est un coût d'opportunité, tout ce temps-là que vous ne passez pas auprès de vos propres clients. Et ça, c'est vraiment essentiel de le communiquer, je crois. Ouais. Il y avait encore juste une chose, justement, vous avez parlé de l'Hemoptix, là, qui est un de vos plus grands succès actuellement, que vous avez rencontré au Venture Competition de l'EPFL. Oui, donc, exactement. Tous ces concours, ces programmes qui sont finalement aussi une sorte d'outil marketing. Oui, exactement. Donc, pour dire aller le plus loin possible,
ne venez pas forcément nous voir avec une idée. De nouveau, moi, je suis débordé, tous les business angels sont débordés d'idées, de personnes qui pensent avoir trouvé une idée super. Il faut vraiment prouver quelque chose. Et pour prouver quelque chose, il faut d'abord avoir investi soi-même beaucoup de temps et parfois aussi d'argent. Il faut avoir convaincu ses amis, ses proches, sa famille, etc. Donc nous entrons avec typiquement 200 000 francs de capital. Et il a fallu souvent créer la société avant, les 100 000 francs pour la SA. Ça peut être parfois des années d'investissement personnel dans le projet avant. Et c'est qu'à ce moment-là que nous prendrons en compte le projet. Effectivement, nous verrons régulièrement les sociétés que nous finançons dans des concours de start-up, la CTI, VentureKick, il y a un prix pair, la Lausanne. Il y a des tas de manières. Et nous sommes très bien connectés à ces concours-là. Nous savons, nous regardons les listes des gagnants. Moi, j'ai effectivement rencontré l'Emaptics en 2007 en tant que coach à un concours de business plan qui s'appelle Venture. Là, j'ai rencontré le fondateur. J'ai beaucoup aimé son projet. Je suis resté en contact. J'ai voulu investir. Et c'est comme ça que nous sommes restés en contact et que l'entreprise a très bien évolué après. Nous mettons aussi au siège un siège sur le conseil d'administration de la société. Nous apportons aussi nos contacts, notre savoir-faire pour permettre à la société de grandir. Il faut aussi voir qu'il y a une différence entre les venture capitalistes et les business angels. Je pense pouvoir dire que les business angels sont plus amiables avec l'entrepreneur et ne regardent pas que l'argent. Et pour nous, il y a aussi tout un côté d'apporter notre propre savoir-faire, notre propre réseau pour aider la société à se développer. Je peux dire qu'aujourd'hui, les succès de notre portfolio, effectivement, les Lemoptics, les Sensima, les Faction Collective, une marque de ski qui marche aujourd'hui vraiment très très bien, ces succès-là sont dus, évidemment, grâce à l'argent, les millions qu'on a mis dedans, mais aussi grâce aux personnalités et au savoir-faire, au contact, au temps passé par les personnes qui sont au conseil d'administration de ces sociétés, qui apportent, de par leur propre envie de faire grandir la société, évidemment, qui fait grandir leur propre argent. Donc tout le monde est gagnant. Philippe, vous partagez ce que André dit ? Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est d'abord l'idée qui compte et ensuite c'est le team qui a réalisé l'idée et puis dans quel stage est-ce qu'on est dans, avec cette idée. Je ne pense pas que ça fait beaucoup de lever des fonds avec du crowdfunding en cherchant des actionnaires si on est encore 2 années auprès du premier prototype. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas le crowdfunding pour les actionnaires, le equity crowdfunding, c'est surtout pour les gens, pour les entreprises qui ont un B2C business model, je veux dire plutôt business to community, ça veut dire que si je fais du crowdfunding auprès de l'entrepreneur, c'est très important qu'il mobilise pas seulement son network privé, mais aussi son network professionnel, parce que les gens qui travaillent avec lui, ils sont convaincus qu'il fait un bon travail. Et c'est eux qui sont aussi des gens qu'il faut approcher pour voir s'ils sont intéressés de devenir des actionnaires. Et le crowdfunding en Suisse, pour peut-être parler un peu de ça, c'est vu comme une offre publique par la FINMA. Et donc, c'est seulement réservé aux sociétés anonymes. Les sociétés à responsabilité limitée, malheureusement, ne peuvent pas faire du crowdfunding. Et souvent, c'est un peu un problème parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui commencent et la première société qu'ils font, c'est une société à responsabilité limitée. Et donc, on a dû rejeter beaucoup de projets parce qu'ils n'ont pas eu la bonne personne juridique. Mais ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de possibilités pour ces entreprises qui sont en early stage, alors ? À part justement des business angels externes, la famille ou autre. Oui, bon, bah, je veux dire, pourquoi est-ce que le crowdfunding existe ? Parce que d'abord, les banques, ils ne donnent pas d'argent. Les venture capitalists, ils investissent dans la moyenne à 1% des business plans qu'ils reçoivent. Les business angels, c'est plus ou moins 5%. Alors, qu'est-ce que font les gens qui ont une bonne idée, mais qui n'ont pas reçu d'argent ni de la banque, ni de venture capital, ni du business angel? Ça veut dire 95% des plans financiers qui sont des bonnes idées. Peut-être que ce ne sont pas des idées qui vont
retourner 10 fois, 20 fois le capital investi, mais peut-être 2 fois, 3 fois. Et à ces entrepreneurs, il faut donner une alternative pour lever des fonds. Merci. Justement, j'ai lu que d'ici 3 à 4 ans, un tiers des projets développés par des startups pourraient être financés par ce moyen. Est-ce que vous y croyez, Alexis ? Ben, moi, vu les success stories que j'ai vues, disons, sur Indiegogo, Kickstarter, je crois que pour qu'une campagne de crowdfunding vraiment explose au niveau du financement, soit c'est un produit tellement magnifique, effectivement, que alors les gens n'hésitent pas à payer, mais bon, voilà. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des studios de production de niveau professionnel qui envahissent un peu les plateformes pour relancer des licences, par exemple. Dans le domaine du jeu vidéo, ça se fait beaucoup. On relance des licences de produits qui ont bien marché à l'époque et puis qui, en fait, sont connus. Donc, le crowdfunding, dans les succès, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup une marque qui est déjà connue et qui profite, finalement, d'une alternative de financement qui leur permet de se financer sans donner d'equity, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, une jeune start-up qui n'a pas ce bagage, en fait, qui n'a pas réussi à racheter une marque ou qui ne possède pas ce bagage culturel qui permet de se faire voir, ben, tant mieux, si je dis, s'ils arrivent à se financer, si un tiers des start-up arrivent à se financer par ce moyen-là. Après, il faut différencier crowdfunding pour l'equity et puis crowdfunding simplement pour l'argent. Je pense que c'est vu les succès qu'on a eus, et en tout cas, vu l'aura là, d'avenues de financement alternatif que le crowdfunding se construit, je ne serais pas étonné qu'il y ait de plus en plus de startups qui construisent leur business model directement en allant vers le crowdfunding, en se disant, voilà, nous, on va faire un objet qu'on va pouvoir envoyer, on va aller chercher des acheteurs. Donc, ouais, pourquoi pas, mais j'ai quand même certains doutes à me dire que plus ce système-là va grossir, s'industrialiser, et puis devenir, en fait, une source de financement traditionnelle, plus ça va être comme les autres sources de financement, donc compliqué, et plus il y aura de concurrence sur le marché, plus ça sera difficile pour une start-up de faire sa place. Donc, je pense que ça va grossir, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va devenir aussi difficile que le reste des activités de financement, en fait. Donc, Oui, une réaction là. Bon, d'abord, j'espère que c'est un tiers. Mais plutôt, je pense que le crowdfunding, faut qu'il se concentre sur l'equity crowdfunding. Ça dépend beaucoup d'environnement régulatoire qui est dans les différents pays. Aujourd'hui, c'est vraiment différent dans tous les pays. En Suisse, je pense que c'est plutôt simple en comparant avec l'Allemagne ou bien des autres pays. Mais on voit, par exemple, on a aux États-Unis, le crowdfunding en ce moment, equity crowdfunding est illégal. C'est seulement réservé pour les gens, pour qualified investors. Et pour le grand public, c'est toujours quelque chose qui est illégal. Et je pense que même si M. Obama il a signé un accord l'année passée, je pense que ça prendra encore un peu de temps jusqu'à tout ça soit en ordre. Et puis, une fois que les États-Unis ils ont changé les lois, je pense que ça va faciliter beaucoup le crowdfunding du point de vue equity crowdfunding. Arnaud. En fait, on parle de deux modèles qui sont extrêmement différents. Je pense que quand on va vouloir lancer des produits et quand on va vouloir lancer de l'innovation, le crowdfunding sera un moyen qui sera très important. En fait, c'est un petit peu le sens de l'histoire aujourd'hui. Les réseaux se sont orientés vers le communautaire. La communication s'est développée à ce niveau-là. Les échanges vont s'y intégrer. Je ne serais pas étonné de voir une plateforme intégrer Facebook dans les 3 à 4 prochaines années, peut-être même bien avant. Je pense que c'est des choses qui vont il y aura comme un pic, en fait. Ça va ressembler à peu près aux années 2000 avec toute la bulle qu'il y a eu autour des technologies Internet. Évidemment, il y aura un pic et puis ça va décroître. Mais je pense que ça va prendre une place qui est très importante. Parce que comme les fonds ne sont pas disponibles, aujourd'hui, d'ailleurs, il est étonnant de voir que la FINMA s'intéresse de plus en plus au crowdfunding. Personnellement, ça me pose un problème parce que, évidemment, ils sont intéressés aujourd'hui parce que je pense que ça va. Ils voient arriver la concurrence par rapport au modèle bancaire et ils sont en train de réagir par rapport à ça. Il est très important qu'ils sortent de cette histoire-là.
C'est aussi simple que ça. Le crowdfunding dans le monde entier fonctionne pas nécessairement sous l'égide d'un organisme. Sinon, il y a déjà énormément de barrières. Aller sur Kickstarter et essayer de récupérer votre argent après, c'est relativement difficile. Comme nous, faites appel à une société qui fait de la transaction sur Internet, et vous allez voir que là aussi, il faut apporter des garanties, il faut rassurer les gens, sinon plus personne ne veut libérer vos fonds. Ça devient toute une histoire, c'est de la politique, c'est de la gestion, c'est tout ce que vous voulez. C'est déjà très compliqué, le crowdfunding. Alors si maintenant, des organismes régulatoires, bancaires, qui voient directement une menace, se mettent là-dedans, il faut un contre-pouvoir. Alors je sais que j'ai fait marrer tout le monde, moi-même ça me fait marrer, mais quelque part ça me pose quand même, il y a des questions qui se posent pour l'avenir. Parce que comment allons-nous développer nos entreprises ? Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Autant l'innovation est quand même très très difficile dans les grandes sociétés, hein, je crois que vous en avez parlé avant, autant l'innovation est un petit peu compliquée dans le milieu bancaire. Donc la manière qu'ont les investisseurs en prenant de l'equity, des actions dans des sociétés en court-circuitant le milieu traditionnel bancaire, menace aussi évidemment le milieu bancaire lui-même. Donc l'innovation se crée rarement dans les grandes sociétés. Aujourd'hui, il faut savoir que 3M et Procter & Gamble, qui sont des casebook studies de l'innovation, hein, des endroits incroyables pour innover, passer la moitié des nouveaux produits de ces sociétés qui atteignent le marché ne sont plus inventés chez Procter & Gamble et 3M. Hein. Ce sont des acquisitions de sociétés, de start-up qui ont inventé un produit et qui ensuite, pour pouvoir grandir, pour pouvoir industrialiser leur production, leur vente, leur distribution, sont achetés par des grandes sociétés et ensuite permettent d'atteindre des marchés très très importants. Donc même l'innovation dans l'innovation, l'innovation du financement de l'innovation, elle-même est aussi un petit peu en friction avec les systèmes établis. Il y a eu une grosse crise de confiance après 2007-2008 dans le milieu financier et beaucoup d'investisseurs qui ont de l'argent, qui aimeraient pouvoir faire des placements locaux dans des sociétés proches d'elles qui ont des vrais produits avec la finance de proximité qui créent vraiment de la valeur, et beaucoup d'investisseurs recherchent ce genre d'investissement, et typiquement des plateformes comme les nôtres permettent d'atteindre des entrepreneurs en direct que vous pouvez aller visiter, que vous pouvez aller toucher les produits. J'ai acheté une paire de skis dernièrement, j'ai pu appeler le président de la société, je lui ai parlé de mon style de ski, ce que je veux faire, et il m'a conseillé une paire de skis. J'ai la peine à faire ça chez Apple pour mon prochain ordinateur, par exemple. Vous pouvez essayer, mais... Merci beaucoup. Alors, je vais juste, avant les questions, appeler Shaban Chamé, juste pour un petit peu nous parler de son expérience sur Kickstarter. Voilà. En campagne, je laisse juste ce micro-là. Alors bonsoir, Shaban Chamé, fondateur de EverDreamSoft. Donc on est une start-up dans le jeu vidéo. On fait des jeux pour téléphone mobile, dont un principalement Munga, que l'on a lancé il y a 3 ans déjà et qui est en français, anglais, japonais. Et on a toujours animé notre communauté, animé nos joueurs. Et on a toujours voulu innover, aller dans des choses relativement nouvelles dans le jeu, amener de nouvelles expériences. Donc, fort d'un jeu et une communauté active en ligne, on voulait redonner la possibilité aux utilisateurs de se retrouver pour jouer comme à l'ancienne, c'est-à-dire ensemble, non online, tout en gardant les avantages de pouvoir jouer en ligne. Donc, par exemple, les points, tout ce qui est social, etc., ramener ça au jeu de plateau. Donc, on a créé, en fait, un Kickstarter. Là autour, on a créé des cartes à jouer avec une puce NFC dedans, donc qui permet, en fait, à la carte d'interagir avec le téléphone mobile. Et donc, en achetant une carte physique, pouvoir en même temps la jouer en ligne et en même temps la jouer avec des amis autour d'une table. Donc pour cela, vu que c'est quelque chose de relativement nouveau, on s'est dit pour se faire connaître, pour aussi valider la tendance du marché, on a décidé de faire un Kickstarter.
pour apprendre de nos utilisateurs et montrer le produit. Donc la campagne a été lancée il y a 30 jours environ, il reste 3 jours. On est à 30%, donc je vous invite à participer. voilà, donc c'est Munga. Super, merci beaucoup Chaban. Est-ce qu'il y a des questions ? Là. Alors c'est très intéressant et c'est peut-être en fait le point clé qui se pose ici, c'est la communication. Avant de lancer un Kickstarter, il faut énormément communiquer, avoir de l'attraction. Pour nous, on a une communauté de joueurs fidèles qui attendent les cartes physiques depuis très longtemps. Mais on reste encore assez cantonné à notre communauté et elle mériterait d'avoir plus de visibilité de manière générale. Et s'il y a une chose que je referais différemment en lançant Kickstarter, c'est que j'essaierais de créer des articles médias, d'avoir de la résonance au niveau des médias avant de lancer la campagne. Là maintenant, on va avoir un article de blog, une interview vidéo chez MacForever, qui est un site francophone assez important pour tout ce qui est iPhone. Mais il intervient trop tard par rapport à notre campagne. Donc c'est vraiment important de créer beaucoup de communication avant de lancer la campagne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez dit qu'il y avait donc fallait différencier equity et puis le produit final qui est délivré. Mais en quoi vous vous différenciez du venture cap ou private equity par rapport à ce equity? Oui, donc effectivement, les business angels se différencient d'une part au niveau des montants, donc entre 50 000 et 2 millions. Un venture capitaliste va typiquement investir 5, 10, 20 millions en un tour de table. Dans l'ordre, au fait, les fondateurs, friends, families, founders, qu'on appelle les 3F, mettent d'abord de l'argent. Ensuite, les business angels arrivent pour porter de 200 000 à 2 millions. Et ensuite, les VC arrivent souvent après. C'est très rare de voir quelqu'un se faire financer directement par un VC. C'est quasi unheard of. Ça n'existe quasi pas. L'autre différence peut-être, c'est qu'un venture capitaliste investit de l'argent de quelqu'un d'autre. Donc lui, il a un fonds, il doit absolument démontrer dans les 8 à 10 ans qui viennent que son fonds non seulement a rendu l'argent investi, mais aussi fait un gain. Sinon, il ne peut plus lever de fonds, il doit changer de métier. Les business angels mettent leur propre argent, leur économie. Donc la vue est peut-être un petit peu différente aussi de ce point de vue-là. Moi, j'ai juste une curiosité à cause du projet de Kickstarter. Parce que j'avais dans l'idée que tous les porteurs de projets pour faire sur un site doivent être domiciliés dans le pays où le site existe. Kickstarter, c'est américain. Alors, est-ce qu'ils ont changé de... Alors, pour Kickstarter, en effet, aujourd'hui, il est ouvert à 3 pays, US, Canada et UK. En Suisse, on peut théoriquement pas ouvrir de Kickstarter. Et pendant un bon moment, on avait décidé de mettre la campagne sur Indiegogo. C'était plus facile pour nous. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de volume quand même sur Kickstarter et qu'il était plus intéressant. Donc on a essayé de trouver une solution pour être quand même sur Kickstarter. Et là, en fait, ça doit passer par une personne de confiance aux États-Unis qui a un compte. Qui s'occupe de gérer cette partie administrative. Et pourquoi ne pas avoir regardé à une solution suisse ? Alors, le challenge dans le crowdfunding, donc pour nous, c'est du B2C, c'est pas de l'equity, mais du B2C. En Suisse, pour ce qui est B2C, il n'y a pas grand-chose qui se démarque en termes de crowdfunding. Et même en France, où on a une grande communauté, et qui est un grand pays, les projets sur des plateformes françaises généralement rapportent 10, 20, 20 000 euros au maximum, alors que nous, on en cherchait 75.
Donc, ça joue quand même dans une catégorie qui est différente. Il y a aussi le fait qu'il faut décider si vous avez un produit qui est un produit qui s'adresse à un marché local ou si c'est un produit qui est global. Ça, c'est une chose qui est aussi importante parce que si vous vous adressez au marché suisse, votre panel, il est beaucoup, beaucoup plus faible. Et évidemment, vous pouvez avoir des stratégies qui sont des stratégies échelonnées où vous allez avoir une première cible, puis une deuxième plus large, puis une troisième. Mais suivant l'impact que vous voulez avoir sur le marché et votre besoin de fonds, le fait de s'adresser à une plateforme qui a une notoriété globale ou carrément d'aller directement voir le customer, c'est la solution pour beaucoup de produits. C'est clairement ça. On a eu la même problématique entre Kickstarter, Indiegogo ou une plateforme en Suisse. Si une plateforme en Suisse va avoir 1000 visites par semaine, Indiegogo va en avoir 10 000, Kickstarter va en avoir 100 000. Donc, au-delà de générer de l'intérêt à l'extérieur de la plateforme et puis de ramener ces gens-là sur la plateforme, donc ça, c'est une partie qui est de la responsabilité de l'entreprise, de ramener des gens pour qu'ils payent. Mais par contre, le marché de la plateforme elle-même, il est super important. Et puis, on se rend compte que la plupart du temps, les projets qui marche sur Kickstarter, il y a un certain pourcentage qui vient de l'extérieur, d'une vraie campagne de com où on attire des gens, mais c'est aussi beaucoup les gens qui sont déjà sur Kickstarter parce qu'ils s'intéressent à cet univers et puis parce qu'ils y vont juste vérifier un peu les nouveaux projets, tout ça. Ces gens-là, en fait, c'est vraiment le fonds de commerce du crowdfunding. Donc le choix de la plateforme, il est vraiment important. Et puis encore aujourd'hui, Kickstarter, c'est 10 fois plus ou plus que Indiegogo. Mais ça dépend. Si vous avez une clientèle plus sélecte avec un produit et puis que la plupart des gens qui vont participer, vous les connaissez déjà ou vous avez des moyens de les joindre, en fait, qui sont à l'extérieur de la plateforme, là, c'est vrai que ça, c'est égal. Mais si vous voulez taper dans le mass market américain ou global, alors là, il n'y a même pas de question à se poser. Il faut aller sur Kickstarter, je crois. Je vais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça. Les deux méthodes de pre-funding pour une préfabrication et d'achat d'actions auprès de Business Angel ou de crowdfunding ne sont pas exclusives. Ces jours, nous avons investi dans une société qui crée une balle, on dirait une grande balle de tennis, que l'on lance en l'air et au moment où elle atteint l'apogée, elle prend une photo sur 360x360. Ça vous permet d'avoir un panorama complet, par exemple, d'un mariage, d'un événement sportif, etc. Et ça a attiré beaucoup d'attention auprès de nos investisseurs. Nous avons investi. Et littéralement, il y a 4 jours, ils ont commencé une campagne sur Indiegogo. J'ai regardé ce matin, ils étaient déjà à passer 300 000 dollars sur les 900 000 qu'ils cherchaient. Et ça permet vraiment de créer la première série de, je sais plus, 500 balles, quelque chose comme ça. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de commandes. Mais ça n'empêche pas pour ensuite pouvoir agrandir leur marché, de pouvoir aller vraiment global, mondial, pour avoir utilisé des chaînes de distribution, d'aller voir des MediaMart, etc., Interdiscount, ce genre de choses. Ça demande beaucoup, beaucoup plus d'argent que juste de produire les 500 premières balles. Donc là, ça permet d'avoir un modèle hybride qui a permis de lancer la société, de valider vraiment le concept de la société et en même temps de lever de l'argent investi directement dans la société pour une expansion commerciale après. Donc, ce n'est pas forcément contradictoire, au contraire. Est-ce qu'il y a une dernière petite question ? Satya from Perpetual Technology Partners. The question related, sorry for saying it in English, the question relates to the equity financing. You said that it's almost like, for FINMA, this is like a public listing, right? So my question is, then are the costs to the organization as well in that order of magnitude? If there's a huge list, it's not just being an SA, but the audit, the controls, et cetera, risk declarations, et cetera. How complicated is it? What are the costs for an organization? Thanks. Very good question. It's actually not that it sounds more complicated than it actually is. So what you need to have is a share emission prospectus, which is basically a 4-page document reflecting the information required in the Gottes Obligation. And you have to attach a audit report, which is not older than 6 months old. But the big advantage in Switzerland, comparing to Germany, is that this share emission prospectus is written
by the company and it's not reviewed by FINMA. In Germany, for instance, if you write the prospectus, even if it's for crowdfunding above 100,000 euros, you have to apply to FINMA with the prospectus. It takes 3 or 4 months for them to look at the document, and it costs 15,000 to 20,000 euros in order to approve it. So Switzerland, in that respect, has a much easier regulatory environment than any other country. Philippe, merci beaucoup. On arrive au bout. Donc, merci à vous tous d'être venus pour cette table ronde. Merci.